Alors, je suis auteur, compositeur, réalisateur et designer. Je suis dans une mouvance, je dirais, un peu New Age, puisque je défends l'art thérapeutique. Donc, toute forme d'art, d'ailleurs, je dirais les sept arts principaux, qui tentent de trouver une vocation, je dirais, bien-être. Avec une volonté de donner de l'équilibre et des choses positives aux gens qui pourraient rentrer en contact avec ces œuvres. La passion première que j'ai, c'est pour l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, une forme de médecine qui a 5000 ans d'existence et de pratique, et qui est, je dirais, issue de notre culture humaine, qui mérite grandement d'être redécouverte au jour d'aujourd'hui. Et puis d'autres passions, évidemment, les arts en règle générale, et puis tout ce qui va concerner, je dirais, les performances humaines et les projections lumineuses de nous-mêmes envers les autres. Alors, le rêve que j'aimerais réaliser, c'est réhabiliter des notions fondamentales comme celle des droits de l'homme, dont la France est un pays porteur, et puis aussi tenter de proposer l'esprit monégasque dans les endroits les plus, je dirais, intéressants de ce monde, dans le sens où je pense que l'esprit monégasque est un esprit de moine guerrier, donc c'est-à-dire en fait tout simplement de faire résonner une forme de spiritualité dans des actions concrètes. Soyez vous-même l'exemple que vous voulez voir dans ce monde de Gandhi.